Remercier le groupe ParisTech de nous avoir accueillis ici. C'est un peu scandaleux de dire ça, mais c'est important de le souligner. Merci à l'Académie d'avoir créé ça. Je reviendrai après sur ce chantier-là. Merci aux sponsors. Merci aux organisateurs. Un grand merci à trois personnes en particulier, à Michel, qui a piloté l'organisation de Main Maître, et puis à la fois à Muriel et à Gérard, pour avoir à la fois contribué à la préparation et avoir animé la journée avec une maestria. On la connaissait, mais ils en ont fait la démonstration une fois de plus. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Ensuite, le remerciement suivant, c'est pour les intervenants et les questions. Mais les intervenants ont fait des présentations absolument remarquables, et en particulier les thèses. J'ai vraiment aimé tout ce qui a été présenté. Et un matériau produit, c'est un sujet dont on a bien discuté avec Muriel, mais le matériau produit, il est remarquable, il faut le valoriser, il faut trouver le moyen de présenter ça. Alors, ce côté-là, il y a un petit revers à la pièce, juste un petit regret dans cette question-là, c'est que je trouve que si tout avait été nul, c'était bien qu'il n'y ait pas plus de monde que ça, mais comme c'était très bien, il aurait pu y avoir plus de monde. On peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'acteurs économiques présents. On peut regretter aussi qu'on est dans un lieu d'un établissement d'enseignement supérieur et qu'on n'en ait pas profité pour avoir quelques promos d'AgroParisTech, parce que je pense qu'il y avait là vraiment de quoi ouvrir la vision. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui sont perdus, mais ça aurait pu être plein, blindé. Mais c'est pas grave. Alors, un atelier prospectif, en fait, c'était le premier atelier prospectif recherche sur un sujet organisé par l'Académie d'agriculture, et je pense que c'est une excellente idée. Quand je le disais ce matin, j'avais dit c'est une bonne idée, et puis au terme de la journée, je pense que c'est un véritable succès, une opération à produire. Alors, pour ceux qui suivent avec attention l'activité de l'Académie d'agriculture, je vous invite à relire le discours inaugural de Paul Vial à l'occasion de la session solennelle de cette année, où il fait un truc qui est remarquable. Je suis incapable de le faire, mais juste, il y a un mot qui m'a interpellé, il fait une analogie entre ce qui s'est passé dans les siècles derniers et ce qui se passe aujourd'hui, mais en gros, c'est qu'est-ce qui sert de caravelle pour aller vers de nouveaux continents. C'est ça le résumé que je fais, et en gros, on peut en identifier deux dans ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est les technologies et donc les résultats produits, et d'autre part, les connaissances. Et ce sont vraiment des caravelles pour aller vers. Et il est sur le site de l'Académie d'agriculture. De toute façon, tout est sur le site de l'Académie d'agriculture. Donc, c'est un discours. Je vous invite vraiment à le lire. Vous passerez un excellent moment. Et ça se lit comme un roman. Et l'Académie d'agriculture, et je ne dis pas ça parce que j'en suis aussi membre, c'est à la fois savoir d'où on vient pour imaginer où on va. Et en fait, en préparant cette journée, je me suis dit, tiens, à partir de quand, dans les documents de l'Académie, on s'est mis à parler des légumineuses, et qu'est-ce qu'on en disait au début? Et sur Gallica, le site de la BNF, vous pouvez retrouver les premiers comptes rendus de l'Académie d'agriculture, 1785 pour le premier. Et en 1785, dans le premier numéro, paf, il y a un gros numéro sur les légumineuses fourragères. Et puis, pour ceux que ça intéresse, pour les agronomes, pour Marie-Hélène, chose rigolote, en 1788, dans le numéro d'été, parce qu'à l'époque, il y avait des numéros par saison, dans le numéro d'été, il y a mention dans un papier, qui faisait papier très long, il y a un papier qui fait 187 pages, d'un nommé Gilbert, il fait question de semis de céréales sous mulch vivante légumineuse. Voilà. Donc, la page 149, si vous voulez. Cet atelier, il a clairement favorisé les interactions, les interdisciplinarités, les transversalités, et je pense que c'est là que se trouve une forme de caravelle pour aller vers les nouveaux continents. Alors, on était dans l'année des légumineuses, officiellement, en termes anglais, l'année des légumineuses ingrènes, mais la France est en un esprit un peu plus ouvert. On a fait toutes les légumineuses. Il y a eu beaucoup d'événements en 2016, conférence légumineuse, conférence internationale à Dijon. Il y a eu il n'y a pas très longtemps un atelier sur les légumineuses en Occitanie, les légumineuses alimentaires. Bernard Hubert m'a envoyé quelques éléments de conclusion remarquables, qui rejoignent d'ailleurs ce que moi j'avais imaginé pour aujourd'hui, en vous écoutant. Et puis en mars prochain, parce que ça, 2016 étant un peu court, en mars prochain il y a le retour, avec une session à l'Académie d'agriculture, c'est l'aspect socio-économique organisé par Bernard Bourdet, qui est ici présent. 22 février, j'étais un mois en retard, dommage, 22 février. Et donc il sera question de verrouillage socio-technique, ça c'est pour que Jean-Paul soit présent. Alors, quelques éléments de conclusion autour de ça. J'aurais tendance à dire qu'on a joué toute la journée avec
le paradoxe de la diversité, ce qu'on pourrait mettre sous ce terme-là, diversité d'espèces, diversité de cultures, diversité de modes d'utilisation et de production. C'est à la fois une source de service, et on peut en identifier beaucoup, et c'est une source de difficulté parce que ça peut engendrer, être dérogé. Alors pourquoi ça peut être dérogé? Simplement, un élément qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça génère de la tension mentale, ça génère de la charge mentale parce que c'est compliqué, et donc potentiellement ça peut devenir une source de rejet. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de services qui ont été listés tout au long de la journée, des services écosystémiques de production, de support, de régulation, des services culturels. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre en tension ce potentiel et ces sources de rejet. Qu'est-ce qui permet de faire ça? D'abord, c'est de comprendre pourquoi la complexité et les aléas sont source d'aversion au risque. Et donc, il faut réduire l'aléa, il faut réduire l'incertitude. Parce que c'est l'incertitude qui génère la volonté d'aller vers des systèmes simplifiés. Et donc il faut que les résultats de la recherche et les innovations servent d'une part à réduire les aléas et d'autre part à rendre la complexité indolore. Et donc en gros, il faut encapsuler de la complexité. Le bon exemple de ça, c'est les associations de graminées légumineuses qui pendant longtemps étaient rejetées parce que c'était compliqué, imprévisible et qui aujourd'hui sont... On a l'habitude, on sait faire, c'est encapsulé. Parce que, y compris le pilotage, est pris en compte. La diversité doit être prise en compte dans la création des besoins de recherche. Il est inévitable qu'on se concentre sur quelques modèles. Et toute la journée, en fait, on a passé son temps à voir que la problématique était large et on l'a réduisée sur un modèle. C'est la seule façon pour avoir une production de connaissances. C'est aussi l'objectif de la recherche, donc n'oubliez pas. Et il faut développer des recherches translationnelles, c'est-à-dire comment on crée les capacités à déployer sur d'autres objets le résultat de la recherche. Et chose aussi intéressante qui a été mentionnée deux fois aujourd'hui, c'est que globalement, par rapport aux chaînes un peu classiques que l'on a vues, il y a eu deux endroits des émergences potentielles de zones de création de valeur, les médicaments à partir des composés secondaires, et puis ce qui a été mentionné ce matin, qui est là beaucoup plus spéculatif, mais c'est la capacité à utiliser les gènes NCR pour retravailler sur les problématiques bactériennes et justement explorer leur capacité à reconnaître des bactéries. Donc on doit, dans la recherche, travailler cette complexité-là et contribuer à la résoudre et pas la voir comme étant un problème, mais comme étant une option. Ça conduit en fait à devoir souligner un truc, c'est l'importance de l'effort de recherche publique. Il est massif sur les légumineuses, beaucoup beaucoup plus important que ce qu'elle représente économiquement, mais en soi, ce n'est pas un problème. C'est inévitable parce que c'est le seul endroit d'assurer l'équilibre entre une importance économique aujourd'hui qui est relativement limitée et un potentiel qui est celui de demain, et c'est le rôle de la recherche publique de couvrir ça. Le deuxième, c'est qu'il y a des services environnementaux, ça a été souligné tout le long de la journée, et c'est ça aussi qui justifie un effort de la recherche publique. Mais la recherche publique ne fait pas ça tout seul. Reprenez toutes les thèses et vous verrez que pratiquement toutes les thèses, à l'exception d'une ou deux, mentionnaient explicitement un travail partenariat. Et donc ça veut dire que l'acteur économique, il est associé, et des fois il est tellement associé qu'il finance. Et comme certes, il y a des acteurs privés qui sont des grands mécènes et des philanthropes, mais il y en a d'autres qui le sont un peu moins, ça veut dire qu'il y a un intérêt et que c'est une mise pour l'avenir. La plupart des recherches sont essentiellement intégratives. Je trouve ça extrêmement intéressant. Des approches presque toujours systémiques, où partons d'une analyse systémique pour couvrir un point particulier, et ceci tant au niveau de la production qu'au niveau de la transformation. Et ce qui revient en fait à devoir peut-être redéfinir un peu le cadre dont on pense. Alors il y a un terme qui existe en anglais mais qui n'existe pas en français. Le agri-food system, il existe en anglais et en français on est un peu nul. Donc si vous me permettez, je pense qu'il faut qu'on inscrive définitivement et délibérément les légumineuses dans les systèmes agri-alimentaires. Et quand vous pensez système agroalimentaire, de fait, les sciences humaines et sociales sont partie intégrante et n'arrivent pas, une fois que la bataille est dite, pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Il est évident qu'à partir de là, il y a aussi des questions des besoins de recherche complémentaire. J'ai largement noté la liste de courses que Jean-Paul faisait tout au long de la journée. Et il y a un point qu'il ne faut pas qu'on loupe, c'est qu'en fait, si on répond aux besoins d'aujourd'hui, on est en retard. Et donc, on doit identifier ce que sont les besoins de demain, les enjeux de demain. Et qui sont des enjeux alimentaires, des enjeux climatiques, même si Donald Trump ne croit pas au changement climatique et au rôle de l'humain là-dedans, mais ça chauffe quand même. Et ce sont des enjeux que nous devons intégrer, donc nous devons préparer des réponses de demain et d'après-demain.
C'est un effort de recherche, mais ça passe aussi par des problématiques de politique publique. Il faut une politique publique lisible, visible et stable. Et en fait, une des vraies difficultés du non-développement, c'est l'instabilité des politiques publiques.